Bonjour. Vous êtes un peu endormi là. Bonjour, vous êtes un peu plus fort ? Voilà. Alors moi je m'appelle Bertrand et mon métier c'est de jouer du piano. Alors je vais vous donner un concert aujourd'hui et le premier morceau que je vais vous jouer c'est une berceuse parce que non, tu veux pas de berceuse ? Ben oui, mais des berceuses, c'est pour endormir les bébés, c'est vrai, c'est ça. Oui, mais maman, ah ben écoute, on va endormir ton bébé alors, d'accord ? Allez, alors je vais jouer une petite berceuse. Alors, est-ce qu'il y en a qui l'ont reconnu, ce morceau ? Ah ben c'est bien de connaître déjà, parce que en général c'est dans les boîtes à musique ou alors des livres peut-être que vous avez. Elle marche plus, mais tu vois, du coup je t'ai joué le morceau. Ah ben voilà. Alors moi c'est pareil, quand on fait ça. Je joue plus et ça recommence quand on... Alors, je vais recommencer, justement. Et puis, je vais vous jouer une autre berceuse. Et celle-là, vous ne la connaissez pas. Mais je vais vous la jouer parce que moi, j'ai un petit garçon. Il est parmi vous. Il s'appelle Paul. Et Paul, je lui joue des fois cette berceuse. Voilà.
Oui, alors là, à la fin, on n'entend presque plus rien parce que c'est comme si l'enfant, il s'endormait. Et oui ? Tu la connais ? Ah, mais c'est bien parce que... Oui, en général, il n'y a pas grand monde qui la connaît. Alors, c'est bien si tu l'as appris à l'école. Et... Ah, ben disons, vous avez des très bonnes écoles, alors. Ah ben, vous la connaissez tous, alors, voilà. Mais alors, on en a un peu assez des berceuses, parce qu'on n'est pas là pour s'endormir. Alors maintenant, je vais vous jouer une danse. Alors la musique, c'est fait pour danser aussi. Alors vous pouvez un petit peu danser en écoutant le morceau que je vais vous jouer maintenant. Ah, mais c'est bien, vous connaissez tous les morceaux que je joue. Alors, quand vous dansez, il faut pas faire plus de bruit que le morceau. Quand y a beaucoup de bruit, il faut danser fort. Ou faire des... Quand c'est tout doux, il faut essayer d'écouter et de faire très, très doucement. Alors, maintenant, je vais vous jouer un morceau tout doux aussi. Et peut-être que vous le connaissez aussi.
Alors, est-ce qu'il y en a qui ont reconnu ce morceau ? Eh oui, parce que c'est souvent parfois les boîtes à musique aussi, ou alors des livres pour enfants avec de la musique. Souvent, c'est un morceau qu'on entend. Alors, comme vous... Ah oui, vous avez plein de livres. Ah oui, ben dis donc. Et alors, mais comme vous connaissez tous les morceaux, je vais essayer de vous jouer quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors, je vais vous jouer un morceau très bizarre maintenant. C'est un morceau qu'on joue avec un seul doigt. Et il est vraiment très, 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 très bizarre, ce morceau. Alors, je vais vous demander, d'essayer d'imaginer une histoire dessus. Ou qu'est-ce que ça, à quoi ça vous fait penser, vous me direz après. Pardon, tu l'as dans ton livre ? Ah mais tu le connais pas encore, tu peux pas savoir si tu l'as dans ton livre. Peut-être ce sera comme un enfant. Alors tu vas me dire si c'est comme un enfant. Regardez bien mon doigt, hein. Vous le suivez bien du regard, soyez bien concentrés. Vous regardez bien, je vais vous jouer tout le morceau avec un seul doigt. Tu connais ? Bon alors dis donc, alors là c'est, je suis très impressionné. Alors à quoi ça vous... Est-ce qu'il y en a à qui ça a fait penser à des choses ? Pierre et le loup ? Ah ben c'est marrant parce que c'est... Alors, vous connaissez Pierre et le loup, mais ça c'était pas Pierre et le loup, hein. À quoi ? À Maurice Ravel. Ah ben non, vous êtes très 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 cultivé. Non, c'est... Ah ben bravo. Pierre et le loup aussi. Alors, je vous demandais pas forcément de dire qui était l'auteur, mais si ça vous faisait penser. Hier, on m'a dit que ça faisait penser à une piscine. C'était un peu bizarre quand même. Mais il y en a qui m'ont dit que ça faisait penser au soleil. au soleil qui éclaire, oui. Eh bien, ça peut faire penser au soleil. Alors, on va dire que c'était le soleil. Et maintenant, je vais vous jouer un autre morceau où on glisse sur les touches. Est-ce que vous avez d'ailleurs, à propos, est-ce que vous avez déjà essayé de jouer du piano? Si jamais il y en a qui ont... Est-ce que déjà vous avez essayé de jouer du piano ? Certains. Alors ceux qui ont essayé de jouer, est-ce que vous avez déjà essayé de jouer avec un seul doigt ? Alors vous essayerez à la maison. Et maintenant je vais vous montrer... Non. Un vrai piano. Mais si vous n'en avez pas, si un jour vous voyez un piano, vous pourrez essayer d'abord avec un seul doigt. Et après, je vais vous montrer autre chose, c'est qu'on peut glisser sur les touches. Je vais vous regarder bien. Alors c'est aussi
ça, c'est un morceau qui est très doux, alors il faut bien écouter silencieusement. C'est rigolo, non? Il y a une explosion à la fin, oui, c'est ça. Un missile qui se lance. Oui. Star Wars, c'est pas dans le programme aujourd'hui, mais la prochaine fois, je te promets, je le ferai. Un bruit de guerre. À quoi ? Un tourbillon, mais ça c'est très bien, c'est... tout est bien, mais un tourbillon ça me paraît très très bien. Alors maintenant l'explosion là, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça faisait une explosion à la fin, c'est parce que j'ai appuyé avec toute la main. Est-ce que vous avez, ceux qui ont déjà essayé, tapoté comme ça avec toute la main sur le piano ? Alors, ceux qui ont... Mais on n'est pas... On est... Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Un tout petit morceau rigolo. Avec les mains, comme ça, en tapant avec le plat de la main. Vous allez voir, c'est très très rigolo. Bon, alors maintenant, vous avez vu, c'était rigolo ça, trop rigolo. Alors maintenant, je vais vous faire autre chose de très rigolo. Alors écoutez bien, je vais vous raconter une histoire de sorcière. Alors vous avez vu le grand piano là que j'ai, il est très 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 grand. C'est un peu comme un vaisseau spatial, alors je vais le bricoler et il va faire un son très très bizarre, vous allez voir. Alors écoutez bien. Alors, vous m'entendez bien ? J'ai plus le micro là. Il faut bien écouter. Alors la sorcière, elle vit dans une forêt très très sombre. Alors écoutez, ça c'est la forêt. Alors, la sorcière, maintenant, elle va appeler ses autres amies sorcières. Vous entendez la sorcière ? Attention. Oui.
Alors attention maintenant, la sorcière elle est cachée, elle se cache dans la forêt avec son balai. Et il y a toutes les autres sorcières qui arrivent maintenant. Vous allez voir, on peut mettre les griffes comme ça. Et voilà, les sorcières, elles sont reparties. Alors maintenant, je vais vous jouer un autre morceau encore assez rigolo. Et... Pardon ? Une autre doudoune ? La sorcière, c'était bien la sorcière. Alors, je faisais avec quoi ? Tout à l'heure, quand ce sera fini, vous pourrez essayer de regarder qu'est-ce qu'il y a dans le piano. Je vous ai dit, c'est comme un grand vaisseau spatial. Et dedans, il y a des grandes cordes. Et moi, j'ai joué avec ces cordes, voilà. Ouais. J'entends pas, tu peux parler plus fort ? Voilà, donc toi tu connais déjà. Elle a un piano ? Et il est grand comme celui-là. Et celui-là, tu as déjà vu un très gros comme ça ? Il est très 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 gros celui-là. Ah oui, c'est bien. Alors maintenant, je vais vous faire autre chose. Je vais mettre du papier à l'intérieur du piano. Je vais mettre du papier. Alors vous vous dites pourquoi il va mettre du papier à l'intérieur du piano. Du papier, voilà. Et ça va faire un son bizarre. Alors écoutez bien. Et pareil, comme l'autre morceau, essayez d'imaginer à quoi ça vous fait penser.
Bon, maintenant j'ai une surprise pour vous. Alors. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous pensez que c'est une ruche? Un théâtre? Un petit théâtre? Alors je vais vous montrer, je vais l'ouvrir. C'est un petit piano. C'est un piano joué. Et en fait, j'en ai marre de jouer sur mon grand piano, alors je vais vous jouer un morceau sur le tout petit piano maintenant. Bon, maintenant, je vais revenir à quelque chose de plus normal. Je vais vous jouer un très, très, très joli morceau. Ce sera le dernier morceau, mais aussi le plus long. Et c'est un morceau qui s'appelle « Le clair de lune ». Alors, ce n'est pas « Au clair de la lune », c'est « Le clair de lune ». « Le clair de lune », c'est dans la nuit et vous êtes éclairé par la lune. Alors, il y a une ambiance un peu magique. Voilà. Alors, vous pouvez... Il faut être très, 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 très silencieux pendant qu'on écoute le clair de lune. Alors, vous pouvez faire un peu... Regardez. Imaginez que c'est la nuit. Donc là, c'est la nuit. Que vous voyez la lune. Vous regardez les étoiles. Et vous allez écouter une musique toute douce qu'il faut bien écouter. Et on va imaginer qu'il pleut un peu. Alors, vous allez prendre vos mains et avec deux doigts, vous allez taper un peu comme ça. Tous en même temps. Regardez, si vous faites comme ça, tous en même temps, ça fait le son de la pluie. Alors, vous pouvez... ce que vous allez faire, vous allez commencer... Non, il ne faut pas frapper des mains. Il faut faire avec tout doucement, comme ça. Deux doigts, par exemple, ou un doigt, dans la main, comme ça. Il ne faut pas que ça fasse trop de bruit. Là, c'est très bien. Alors là, vous faites la pluie. Je vais commencer à jouer dans la pluie. Et je vais vous faire chute à un moment donné. La pluie, elle va s'arrêter. Et après, vous allez écouter tout le morceau en fermant les yeux. Et même si vous avez envie, vous pouvez vous allonger pour l'écouter. Hein? Et après, le concert sera fini. Donc, il faut que vous écoutiez bien. Alors, on commence avec la pluie. Et après, je vous dirai quand la pluie s'arrête.